Alors, permettez-moi de ne pas avoir de religion, mais une simple conviction. On ne pourra pas combattre une injustice en détournant les yeux. Ne figeons pas les Français dans les niches ou les catégories, mais permettons à chacune et à chacun, sur la base des déclarations volontaires, de dire son vécu et ainsi, ensemble, d'en mesurer l'injustice. Ces statistiques de la discrimination ne sont pas en elles-mêmes un remède, mais pourraient représenter un instrument utile pour permettre demain un même accès à l'emploi, la santé, au logement, voire aux responsabilités politiques. Je souhaite ouvrir un débat dans la société française. Faisons preuve d'ouverture citoyenne et participative en posant les bonnes questions. Comment mesurer sans stigmatiser ? Peut-on mesurer sans arrière-pensée ? Ma conviction est simple. Ce n'est jamais en fermant les yeux que la République a émancipé, mais toujours en se confrontant à toutes les inégalités. À cette élection présidentielle, je veux représenter la France qui n'est pas bien née et qui n'a pas toujours été favorisée. Celle qui a parfois douté que son pays ressemble encore au rêve qu'il a promis, qu'il ait encore le sens et l'audace de ses valeurs. Disons-le tout de suite, cette France n'est pas celle de Marine Le Pen, à qui ma tête, mon accent, mon parcours ne reviennent pas. Je ne cherche pas à lui plaire. Je la combats sans relâche car elle propage une culture de haine appuyée sur une posture de mensonge. Son projet porte en lui-même la fin de la France, la fin de ma France, la fin de notre France. Ce n'est pas la France, c'est la France défigurée par la haine de l'autre, la France amoindrie par le manque d'ambition universelle, la France amputée par le repli national. Si je reprends à mon compte avec fierté le bleu, le blanc et le rouge de notre drapeau, c'est que nous le tenons de la Révolution française. Ce drapeau n'appartient pas à ceux qui le souillent de leur haine de l'autre, mais à ceux qui défendent chaque jour l'égalité.